Vous avez déjà lancé? Oui, c'est lancé. Désinfectant. Ah. C'est qui ça, Nico? Charlie. Allô. Azar, à quoi t'as cassé ce dit, Nani, Rachata. Permettez, je fais le direct, pardon. Non, c'est pas intéressant. Pardon. Oui, je suis en train de... Excusez-moi, je fais le direct, pardon. Donc ça débute bientôt, dans quelques poussières de minutes. Comme annoncé lors de son adresse à la nation, le président élu avait donc choisi la date 20 janvier pour rendre public le cabinet qui devrait accompagner le peuple congolais dans le combat pour la récupération de sa souveraineté.
nous y sommes déjà. Et donc, sans plus tarder, je vais donc inviter M. Moalemou pour procéder à la lecture du communiqué d'Irika, président élu. Merci. Pour donc procéder à la lecture du communiqué de presse en rapport avec la publication du cabinet annoncé donc par le président élu. Monsieur Moalemou, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu Madidi. Mais souffrez que ce soit moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moalemou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation, le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique
et développement durable. 16, genre, famille et solidarité. 17, fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18, industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19, mines et hydrocarbures. 20, sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie, la fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut
être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et je vous remercie. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons terminé par là. Si les journalistes veulent avoir beaucoup plus de décisions, je crois qu'il y a les communicants et le cadre de l'avocat qui sont là. Merci d'avoir été assis. Maman Chantal, bonjour. Maman Chantal, bonjour. Cédric Sambe sur Twitter. Merci. Ils attendent la Merci pareil. Oui, Excess. Oui. Excess. 48. 11. Il y a comme ça, en fait. Quand même.